Mesdames, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Argile au cours de cette présente cérémonie. Comme vous le savez, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 est un grand rassemblement de tous ceux qui, au nord du pays, ont décidé, aux heures sombres de la République, de se mettre debout à côté d'elle. Toutes les communautés au nord sont représentées au sein de cette organisation citoyenne et patriotique. Pour ceux qui représentent la plateforme des mouvements républicains, elle est avec les Maliens dans toute sa diversité. Elle l'est davantage en raison de sa vision, de ses engagements permanents sur les chantiers de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de son ancrage maintes fois prouvé dans sa vision patriotique et salvatrice des unités de la transition. Vous le savez tous, un de l'autre, les patriotes, officier supérieur de notre vaillante armée, je vais parler du général de division Alhaj Gamou, vient d'être investi par les plus hautes autorités d'une noble et grande mission à Kidal, celle d'apporter aux populations celle de la paix et le réconfort d'un État solidaire unifié désormais debout sur tous les remparts de la construction citoyenne. Nous profitons encore une fois de cette rencontre pour lui renouveler nos félicitations, notre accompagnement. Je suis persuadé que les vôtres ne feront pas défaut. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder toute sa miséricorde. Aussi, nous disons solennellement devant toutes ces notabilités, ces chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, et religieux ici dans cette salle, ainsi qu'à tous